top 5 des mythes sur la cigarette électronique. Sa fumée n'est que de la vapeur d'eau. Fausse idée. Les e-liquides contiennent des produits chimiques tels que le propylène glycol, la glycérine végétale et des traces de métaux lourds, des produits très nocifs pour la santé. Vapoter est un choix. Lorsqu'on observe tout le marketing réalisé autour de ce produit, on comprend vite que les jeunes sont incités à vapoter, même de manière indirecte. Les stars ne sont pas payées pour vapoter. La plupart des stars qui s'affichent avec une vapoteuse sont payées pour le faire. Cela contribue à banaliser l'usage de la cigarette électronique et à en faire un objet glamour. Elle n'est pas addictive. Elle fonctionne en utilisant des e-liquides riches en nicotine, qui est une substance extrêmement addictive et peut rapidement rendre accro à la vapoteuse. Elle est moins nocive que la cigarette classique. Elle ne provoque pas de cancer de manière directe et ne contient pas de substances hautement toxiques, toutefois, il faut l'utiliser avec modération.